Bonjour à tous. Bienvenue encore une fois à cette émission de l'Atelier Vision. Aujourd'hui, je serai votre animateur pour les 5 prochaines minutes. Mon nom est Xavier Gauvin et notre chroniqueuse invitée aujourd'hui, Martine Hamelin. Martine, elle va venir nous parler de son appareil photographique particulier de marque Canon, je crois. N'est-ce pas, Martine? Oui, c'est ça. Quelle sorte de caméra Canon exactement tu vas nous présenter aujourd'hui? C'est une caméra photographique réflexe numérique. C'est la 60D Canon. OK. C'est le successeur de la 50D. Elle a sorti dans les alentours de septembre 2010, ou un petit peu plus qu'un an. OK, ça fait un petit peu plus qu'un an. Ouais. Donc, c'est un appareil très récent, j'imagine très perfectionné aussi. Ah, c'est oui. OK. C'est quoi la différence entre celui-là puis son successeur, le 50D? Il y a quelques changements physiques qui ont été modifiés. Quelques boutons ont changé de côté de l'appareil, comme la corbeille qui a changé à la gauche. Il y a aussi le HD vidéo 1080p qu'on peut enregistrer. Il y a aussi un changement avec la mémoire. Au lieu d'enregistrer Compact Flash, c'est avec SD ou SDHC. SDXC. OK. Puis, il y a aussi, ouais, c'est ça. Puis, il y a aussi un écran LCD de 3 pouces. 3 pouces? Oui, qui a été rajouté. Fait que ça aide à prendre les photos puis à visionner ensuite les résultats de ce qu'on a fait. Oui. Fait que ça, c'est pour, OK, ça, c'est pour les améliorations très techniques, là, tout ce qui est en numéro, chiffre, en tout cas, plus technique. Ouais. Mais pour ce qui est des améliorations comme artistiques, si on veut, ou qui vont être plus pratiques pour quelqu'un d'expérimenter, c'est quoi les améliorations de l'appareil? Il y a eu un changement avec le temps de la batterie. Avec la 50D, on était capable d'enregistrer, de prendre environ 600 photos en utilisant tout le pouvoir de la batterie. En ce moment, avec la 60D, on peut enregistrer environ 1600 photos. Alors, il y a eu un gros changement avec le temps de la batterie. OK. L'écran LCD est orientable. Alors, fait que tu peux, dépendant vertical ou horizontalement, comment tu peux prendre ta photo, ça change orientalement. C'est plus ou moins ça. Il y a aussi eu un changement avec le lens, puis c'est plus ou moins ça. OK. Comparativement à son successeur, les améliorations sont substantielles. Il y a vraiment une bonne différence. C'est un bien meilleur appareil. Oui. Oui, ouais, il y a eu une différence d'environ d'un an. Puis, il y a des améliorations qui se font à chaque année. Oui. Ouais, il est meilleur que 50D. OK. Je me demandais, si on veut prendre quelqu'un en photo, peu importe la photo qu'on veut prendre, il y a ce qu'il y a des angles particuliers qui sont à utiliser plus que d'autres? Bien, comme on sait, l'angle est toujours un aspect important pour capter la photo que tu veux. Mais c'est vraiment ton choix. Qu'est-ce que la caméra peut faire pour t'aider avec ça? C'est choisir le mode de composition AV, puis activer le EOS de ton objectif. OK. Puis, ça va vraiment aider à capter les traits de ton sujet. Oui, c'est plus ou moins une des techniques que tu peux faire pour vraiment capter qu'est-ce que tu veux faire. Vraiment intéressant. Donc, c'est tout le temps qu'on avait, cependant, pour parler de l'appareil Canon, Martine. Merci à tous d'avoir été ici. La semaine prochaine, notre invité, ce sera David Lacroix. David Lacroix va nous parler également d'un appareil photo, mais d'un appareil photo un peu plus vieux, le Brownie Reflex, qui a été créé dans les années 50. C'est tout le temps qu'on avait. À la prochaine. Merci.
Bonjour, bienvenue à une autre émission de l'Atelier Vision. Mon nom est Martine Amelin et aujourd'hui, on est le 30 novembre 2011. J'aimerais présenter notre chroniqueur aujourd'hui, David Lacroix, qui va nous parler de son appareil photographique qui date de les années 1950. Allô, David. Bonjour, Martine. Comment ça va? Bien, toi? Bien. Premièrement, c'est quelle sorte d'appareil? Donc, ceci est un Brownie Reflex des années 1950, exactement 1953. OK. Puis, dans l'époque, ça coûtait combien pour un appareil? Il faut prendre en considération qu'à l'époque, la valeur de l'argent n'est pas la même qu'aujourd'hui. Donc, à l'époque, 6 $. Ah, OK. Oui. Puis, c'est quelle compagnie qui produisait ces caméras? La Canadian Kodak Company. OK. Oui. Puis, aujourd'hui, c'est Kodak. OK. Puis, dans quel pays qu'on pouvait procurer? Au Canada, bien sûr, aux États-Unis et en Angleterre. OK. Puis, pour une bobine de la caméra, combien de photos qu'elle peut contenir? Contrairement aux appareils photo d'aujourd'hui, avec les cartes mémoire qu'on peut prendre des milliers de photos, des centaines, même pas, 12 photos. OK. Ouais. Puis, les dimensions, c'est quoi les dimensions des photos? 4 cm par 6. OK. Puis, comment est-ce qu'on procède pour prendre une photo? Donc, c'est tout simple. C'est un peu le même concept que les appareils photo numériques d'aujourd'hui. On ouvre le dessus ici et on vise et on prend la photo, tout simplement. Oui. Vous regardez ici. Oui. Puis, le nom, c'est Brownie… Oui, un Brownie Reflex. Puis, pourquoi ça s'appelle de même? Bien, les concepteurs, à l'époque, trouvaient que ça ressemblait à un Brownie. Oh. Donc, tout simplement, ils ont donné le nom. Puis, combien précisément l'appareil a pris de photos pendant l'histoire, pendant son histoire? Je ne peux pas dire exactement, mais je peux dire au moins 100 photos, qu'est-ce qui est très peu, parce qu'à l'époque, les appareils photo étaient en constante évolution, donc 100 photos pour celui-ci. OK. Ouais. Puis, c'est quoi le nom de l'inventeur de la photo, de la caméra? John O'Connor. Ah. Oui. Puis, pouvez-vous donner une description détaillée de l'appareil? Donc, le boîtier, comme vous pouvez voir, est noir ici, mesure 11 cm de haut, OK, ceci fermé. Il y a une corde pour accrocher autour du cou. Donc, la corde est placée à la hauteur exactement pour prendre une photo en parfaite position. Donc, ici, on a l'ouverture, ici, l'entrée pour la lumière. Donc, à l'arrière, ici, on peut l'ouvrir pour ouvrir le boîtier, comme ceci. Et donc, à l'intérieur, le système, c'est tout simple. C'est fait avec un miroir. Donc, ça reflète l'image qu'on voit ici. On peut voir ça. Donc, ici, on voit l'image. Et c'est ça. OK. Puis, pour les collectionneurs accomplis d'appareils photo ou tout simplement pour les mordus de la photo, pouvez-vous donner un peu près la valeur de l'appareil? Donc aujourd'hui, sur eBay, par exemple, on peut s'en procurer un pour facilement 15 $ ou 25. C'est un bon achat, c'est très peu. Donc. OK. Puis aussi, c'est quand que… où l'avez-vous trouvé? Donc celui-ci, je l'ai trouvé dans le grenier de mes grands-parents. Il ne lui servait à rien depuis depuis 30 ans. Donc j'ai tout simplement demandé si je pouvais l'avoir et la réponse a été oui. Donc, je suis l'heureux propriétaire d'un Brownie Reflex de 1953. Ouais. Puis, l'avez-vous déjà utilisé? Non, jamais. Non. Je ne joue pas de bobine pour, alors… Eh bien, c'est tout le temps qu'on a pour l'émission. Puis, aujourd'hui, c'était l'Atelier Vision. Restez avec nous pour la prochaine émission, où est-ce que nous allons rencontrer Claudia Génier, qui va nous parler des souliers de la claquette. Merci, David, et c'est tout. Merci beaucoup. C'est bien pensé. Et j'ai quand même.
Bonjour, chers téléspectateurs. Bienvenue à 5 à 2. Mon nom est David Lacroix, à la télévision. Désolé. Et aujourd'hui, avec une grande joie, nous recevons Mademoiselle Claudia Génier, qui nous parlera de l'historique des souliers de claquettes. Bonjour, Claudia. Allô. Donc, tout d'abord, quelle est l'origine des souliers de claquettes? Ça vient vraiment de loin. Ça vient d'Irlande. Puis les Irlandais, ils utilisaient ça pour communiquer entre les vallées. Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils prenaient leurs sabots, puis ils cognaient contre des troncs de bois vides. Puis bien, c'est comme ça qu'ils communiquaient. Puis malheureusement, bien, dans les années 1800, il y a eu une épidémie en Irlande, puis ils ont dû émigrer vers l'Europe et les États-Unis. Puis bien, là, c'est les Américains qui ont inventé la danse. Ils se sont inspirés de leurs moyens de communication, puis c'est là qu'ils ont créé la danse. Okay. Puis de plus, bien, ceux, les danseurs de claquettes, c'est aussi les percussionnistes, parce qu'avec leurs souliers, ils font du son, mais c'est à un certain rythme. Donc, c'est danseurs, mais c'est aussi des percussionnistes. OK. Donc, c'est des danseurs et musiciens. Oui, en même temps. Okay. C'est ça. Est-ce que les souliers de claquettes ont toujours ressemblé à ce que vous avez aujourd'hui? Non. Au tout début, c'était vraiment tout fait en bois. Puis, les fers en dessous aussi, c'était en bois. Okay. Puis, un peu après, ils ont commencé à changer le cuir. Ils l'ont mis en cuir. Puis, après ça, dans les années 1800, je crois. Non, 1820. C'est là qu'ils ont changé les bois pour les fers. OK. Très intéressant. Désolé. Est-ce que les souliers de claquettes ont toujours ressemblé à ceux… OK, donc… Les souliers de claquettes remontent à très longtemps et ont un célèbre danseur de son nom, Fred Astaire. Qui est Fred Astaire? Fred Astaire, qui était prénommé Frédéric Austerlitz, okay. C'est vraiment un bon danseur de claquettes. Il était reconnu… Pour ça, il était engagé dans des films pour danser la claquette. Il dansait d'autres sortes de danses, si je ne me trompe pas. Puis, c'est dans les années 1850 que ça a vraiment commencé à devenir populaire. Puis lui, il était très reconnu. Il a même son nom sur le trottoir à Hollywood du Walk of Fame. Okay. Il a son nom là-bas. Puis, mais c'est ça, c'est devenu populaire dans les années 1850. C'est là qu'il a commencé à être engagé. Puis… Il était aussi reconnu pour être un acteur-compositeur de cinéma, puis un chanteur, même s'il n'était pas super bon, là. Mais il est reconnu pour ça aussi. Puis, c'est aussi après la Deuxième Guerre mondiale, la claquette, elle a baissé en popularité. Okay. Mais dans les années 1970, c'est redevenu un peu plus populaire avec des nouvelles personnes, okay. Puis avec une nouvelle allure. Donc, un brin de nouveauté. Oui, tout à fait. Okay. OK. Pouvez-vous nous nommer un groupe important qui pratique la claquette? Oui, un groupe important, c'est… Il y a un groupe qui fait un spectacle qui s'appelle Lord of the Dance. OK. Puis eux, sont vraiment bons. Il y a un directeur artistique qui est Michael Flatley. Puis c'est lui qui a créé la troupe. Au début, il était 35 dans leur troupe. Puis c'est tous des Irlandais. OK. Puis… À un moment donné, ils ont fait un spectacle mondial. Puis, c'est lui, il y avait 200 danseurs dans sa troupe. Fait que, c'est vraiment… Lui, c'est un bon directeur artistique. Au début, il a fait partie d'une troupe de danse, Riverdance, mais il a quitté pour des raisons artistiques. Donc, il est devenu chorégraphe puis directeur artistique de ce groupe-là. Okay. Donc, merci beaucoup, Claudia, de nous avoir communiqué toutes ces informations passionnantes à propos des souliers de claquette. Donc, plus jamais, moi ou nos fidèles téléspectateurs percevront les suites claquettes de notre oncle. À la prochaine émission, Tristan Gagné nous renseignera sur un objet qui est bien à lui. Merci.
Bonjour, ici Claudia Génie, votre animatrice pour aujourd'hui, et bienvenue à notre émission La Télévision. La Télévision est une émission qui nous fait découvrir un nouvel objet avec un chroniqueur pour nous le présenter. Aujourd'hui, nous allons parler d'un DVD, un en particulier, qui a fait jaser plusieurs personnes. Notre chroniqueur, Vincent Rochon. Bonjour Vincent. Salut. Comment allez-vous? Bien, toi? Bien. Alors, parlez-nous un peu du DVD que vous avez ici. Eh bien, moi, c'est le DVD du film Inception. Pour moi, c'est le meilleur film au monde. Oui. C'est comme, c'est mon film préféré. Ça vient du réalisateur Christopher Nolan. Je l'ai découvert très récemment là, avec le film Dark Knight, le Batman. Mm-hmm. Puis, ce réalisateur-là, il dépasse Steven Spielberg puis tous les autres là, parce qu'il sait faire des vraiment bonnes histoires. Puis aussi, avec ça, il a réussi à créer, comme moi je dirais, comme à Hollywood, il y a comme 7 scénarios originaux. Bien, moi, je dis que c'est le 8e scénario original. Fait que c'est ça. Puis ça, c'est un petit peu un film qui a fait comme... Tu sais, on peut comprendre ce qui se passe, mais en même temps, non. Mais c'est vraiment compliqué à comprendre, puis simple en même temps. Oui. Mm-hmm. Moi, j'ai trouvé ça vraiment compliqué. Ah oui? Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'histoire du film? Oui, l'histoire du film, c'est... en fait, c'est un homme qui s'appelle Cobb, qui se fait accuser de meurtre de sa femme. En fait, puis là, il a dû immigrer en quelque part d'autre parce qu'il ne pouvait pas rester aux États-Unis, sinon il se faisait arrêter par la police. Okay. Puis lui, sa job présentement, c'est d'enlever dans l'esprit du monde, dans les rêves du monde, leurs idées pour les utiliser contre eux autres. Mais là, un moment donné, pendant une mission, il y a un homme qui propose un marché qui pourrait revenir aux États-Unis sans plus se faire arrêter s'il réussissait à implanter une idée dans un rêve de quelqu'un, donc un inception. Donc là, à partir de ce moment-là, le film y part, puis on voit comment ils font pour aller de plus en plus creux dans un rêve puis mettre une idée dans la tête du monde. C'est vraiment bien fait. Oui. Mm-hmm. OK. Donc, qu'est-ce qui fait que vous avez aimé le film? Moi, en fait, ce qui a fait que j'ai aimé le film, c'est vraiment la réalisation. C'est quelque chose qui m'a jeté à terre. Là. C'est vraiment comme... Là-dedans, c'est comme... Tu as plusieurs rêves. Tu as un rêve dans un rêve dans un rêve. Puis plus tu vois creux dans un rêve, plus le temps il est multiplié ou il est... Fait que le montage qui a été fait là-dessus, il est vraiment incroyable parce mm-hmm. que plus tu vois creux dans un rêve, plus le temps, il fallait vraiment qu'il arrange le temps, qu'il fasse comme... Puis les effets spéciaux aussi sont vraiment comme... Christopher Nolan, c'est quelqu'un qui n'aime pas ça, les effets spéciaux numériques, qui ne va pas créer comme Avatar ou, mettons, Transformer. Mm-hmm. Il va plus y aller comme... mettons, là-dedans, il y a une scène anti-gravité. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a mis... Il a pris un immeuble, il l'a carrément levé dans les airs, puis il a accroché les acteurs pour descendre. Ça fait un effet comme s'il flotterait dans les airs. Puis vraiment, là, c'est. Tu y crois vraiment. Là. Tu regardes le making-of après, puis tu t'es jeté à terre. Là. Puis il y a aussi les comédiens. Là, comme. C'est ça, ils sont vraiment très, très bons. Il y a Leonardo DiCaprio sa performance est vraiment incroyable. Fait qu'en mm-hmm. gros, c'est ça qui a fait que j'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment original. Puis... OK. Oui, fait que c'est vraiment un bon film. Mm-hmm. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà ce qui termine notre émission La Télévision. Soyez présents à la prochaine émission demain, à la même heure, car notre chroniqueur sera Dominique Gauthier, qui va nous parler du iPhone. Merci d'avoir été là et bonne journée.
Bonjour et bienvenue à l'Atelier Vision, une émission qui nous fait découvrir chaque épisode un nouvel objet. Donc aujourd'hui à l'émission, je reçois Dominique Gauthier qui vient nous parler d'un téléphone intelligent, un iPhone. Donc bonjour Dominique. Bonjour Vincent, ça va bien? Oui, ça va bien. Donc Dominique, parle-nous un peu pourquoi tu as un téléphone intelligent. Bien, j'ai choisi l'iPhone parce que premièrement, c'est un écran touchscreen. Donc moi, j'aime beaucoup ça, les écrans touchscreen, mm-hmm. parce que je trouve ça plus facile pour naviguer dans les menus et tout ça. D'autres choses aussi, c'est que c'est un des téléphones qui est le plus intelligent sur le marché en ce moment. Mm-hmm. Donc c'est pour ça que je me l'ai procuré. Puis c'est ça, comme tu peux faire beaucoup de choses avec, tu peux faire beaucoup d'applications, tu peux aller sur Internet, Facebook, sur Facebook, plein de jeux. Donc mm-hmm. C'est ça. Là. Il y a beaucoup de rumeurs aussi qui circulent comme quoi que les iPhones ou les iPods pourraient bugger ou geler pendant que tu l'utilises. Là. Ça t'es-tu déjà arrivé, ça? Personnellement, non, mais il y a une couple de mes amis que oui, c'est arrivé. Sûrement, c'est à cause qu'ils n'en prenaient pas soin. Donc moi, j'en prends soin, donc ça m'est jamais arrivé. Puis si je continue d'en prendre soin comme ça, bien, je pense pas que ça va m'arriver dans le futur. Là. Toi, mettons, est-ce que ça pourrait arriver, admettons, que tu changes à un moment donné de cellulaire pour un cellulaire plus puissant ou si, mettons, il en sort un nouveau? Là? Mm-hmm. Bien, c'est sûr que s'il en sort un nouveau, c'est sûr que je vais me le procurer. Mais je ne suis pas le genre de gars qui va aller s'acheter un iPhone puis après ça un BlackBerry. Je suis vraiment plus le genre de gars qui va rester dans la même mm-hmm. sorte. Donc, dans le Mac, dans l'Apple, tout ça. OK, ouais. Je sais que le iPhone 4S qui ont sorti environ un mois et demi. Ouais. Mais je trouve pas qu'il y a une grosse différence avec l'iPhone 4. Donc, c'est pour ça que je me l'ai pas encore procuré. Mais si un jour, lui, il bug et que mm-hmm. j'en prends pas soin, bien, ouais. C'est sûr que je vais aller me procurer le 4S. Là. Puis toi, est-ce que tu penses que le iPhone, c'est la voie de communication aérienne la plus répandue à travers le monde? Là, Bien, c'est sûr que c'est un très bon moyen de communication pour les personnes qui travaillent dans la communication, justement. Mm-hmm. Ouais. Les journalistes, je sais qu'il y a beaucoup de journalistes pour les télévisions qui s'en servent pour envoyer leur email aux stations, justement. Donc, c'est pas mal ça. Là. Je pense que oui, c'est sûr que c'est un bon moyen de communication. Mais je sais qu'il y a aussi le BlackBerry qui est très fonctionnable, mettons, pour les journalistes, tout ça. Mais je crois que l'iPhone, il est une petite coche plus haut. C'est ça, c'est vraiment le top. Ouais, c'est Apple. C'est ça. Là, c'est exactement. Ça. Donc, d'après moi, oui, mais c'est sûr qu'il y a place à amélioration. Puis toi, est-ce que tu penses que, mettons, le iPhone, il est comme ben trop gros pour, mettons, le mettre dans sa poche, parce que ça prend quand même beaucoup de place. Oui, c'est sûr que ça prend un peu de place, mais sérieusement, ça, je pense que c'est plus des préjugés que d'autres choses. Mm-hmm. Si tu le prends dans tes mains, c'est sûr que c'est plus gros qu'un BlackBerry, par exemple. Mais c'est pas bien plus gros, sérieusement. Là. C'est touchscreen, puis ça va bien au bout. Puis c'est sûr que pour les filles qui ont des petites poches de pantalon, c'est sûr que peut-être que ça ne rentre pas tout dedans. Donc, il faut qu'ils le mettent dans leur sacoche, mais pour les gars qui ont des grandes poches, c'est sûr que ça fit et que ça va bien. Là. OK, ouais. Mm-hmm. Fait que toi, pour terminer, mettons, là, t'es-tu le genre de personne à se faire intimider par ça, comme vraiment, comme, tu sais, mettons, pour dire, admettons, mais ouais. En gros, ça va être ça pour okay, aujourd'hui. Parfait. On n'a pas le temps en plus, là, désolé. Donc, revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission de l'Atelier Vision, où est-ce qu'on va avoir Simon Goyer qui vient nous parler d'un personnage de jeu vidéo, Yoshi. Donc, c'est ça, et revenez-nous le plus vite possible. Merci et bonsoir.
soir au complet. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'émission L'Atelier Vision. Aujourd'hui, à l'émission, nous recevons nul autre que M. Simon Goyer, qui nous présentera un personnage bien connu dans Mario Bros. Il s'agit de Yoshi. Donc, bonjour, M. Simon. Bonjour, Dominique. Ça va bien? Ça va très bien. Ah, donc, alors, Simon, qu'est-ce que Yoshi vous apporte dans la vie à vous? Bien, Yoshi m'a apporté beaucoup de bonheur dans mon enfance, vous savez. Il est apparu dans la série Super Mario. Les jeux de Super Mario qui ont beaucoup de personnages. Et Super Mario, lui, on va commencer au début, lui, ça partit avec un jeu créé par Shigeru Miyamoto, qui a créé le jeu Donkey Kong, qui consistait à un gros gorille qui lançait des barils. Ça, c'est un japonais? C'est japonais, c'est par la compagnie Nintendo. OK. Ouais. Puis c'est ça, c'était... Puis il y avait Mario, un plombier rouge, il est toujours habillé en rouge. Mm-hmm. Qui saute par-dessus les barils, qui a sauvé la princesse. Et plus tard, il y a eu plusieurs autres jeux de la série Super Mario. Puis, à place d'avoir Donkey Kong comme méchant, c'était Bowser, un gros dragon, qui lui encore volait une autre princesse. Et donc, Mario avait toujours le devoir d'aller sauver la princesse. Et donc là, plus tard, dans Super Mario World, qui était une autre série, autre que Super Mario Bros., qui a été créé par M. Ino, un autre japonais qui travaillait pour Nintendo. Lui, c'est lui qui a amené pour la première fois Yoshi. Et dans l'histoire de Super Mario World, Bowser avait aussi volé avec la princesse les œufs de Yoshi. Donc, les enfants de Yoshi avaient été volés. Donc, c'est de là est apparu Yoshi dans Super Mario World. OK. Puis, qu'est-ce que Yoshi a de si particulier? Bien, Yoshi étant un petit dinosaure, il a une petite selle rouge ici, qui lui permet de transporter Mario assez facilement. Et il est capable de... Il est fort, très fort des jambes. Justement, on l'apprend dans Super Mario World 2, où c'est beaucoup plus axé sur Yoshi, où Yoshi doit aider Mario, bébé Mario, qui lui est complètement dépendant de Yoshi, retrouver son ami, bébé Luigi. Okay. Et donc, c'est là qu'on apprend qu'il y a des super fortes jambes. Il peut sauter comme ça, et sauter plus haut en battant des jambes. Et aussi, ce qu'il peut faire, il peut tirer la langue longue. Il a une longue langue, il peut la tirer et avaler des ennemis. Et en les avalant, soit qu'il peut utiliser leur pouvoir, comme si on prend par exemple une tortue rouge, qui arrive souvent dans les jeux, il peut l'avaler et la recracher en crachant trois boules de feu. Oh. Ou ce qu'il peut faire aussi, c'est avaler l'ennemi, le digérer et pondre un œuf. OK. Et il peut utiliser l'œuf ou différentes façons pour le lancer à des ennemis ou le lancer à des ennemis, c'est pas mal juste ça qu'il faut faire. Donc, c'est un personnage qui est bien impressionnant, qui a beaucoup de pouvoir. Oui. Très, très, très impressionnant. C'était mon idole de jeunesse. Vous m'avez dit qu'il pouvait transporter Mario sur son dos? Oui. Avec sa petite... Avec sa petite selle, oui. OK. Et c'est pour ça que c'est le destiné de Mario. Quand tu vois Mario qui a besoin d'aide, qui a besoin... Si mettons, tu es dans un tableau de Mario, tu remarques que tu as besoin d'aller plus haut, tu peux utiliser Yoshi qui, lui, est capable de sauter plus haut pour, avec ses jambes, justement, qu'il peut battre. OK. Puis il court vite. C'est très efficace. Puis Yoshi, c'est un peu le partenaire de Mario, en fait. Beaucoup de monde disent qu'il il a complètement remplacé Luigi. Merci beaucoup, Simon. C'est tout le temps qu'on avait pour mission. Mesdames et messieurs, je vous invite à revenir la semaine prochaine pour une autre émission de la télévision. Ça va être Mme Élise Desrochers qui va nous présenter la brosse à dents. Donc, revenez-nous la semaine prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine.
Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à une nouvelle émission de Atelier Vision. Aujourd'hui, on parle avec Élise Desrochers qui va nous parler des brosses à dents. Alors, bonjour Élise. Bonjour Simon. Comment ça va? Ça va très bien, vous-même? Ça va bien? Ça va très, très bien. Alors, aujourd'hui, vous nous présentez quoi exactement? Bien, je vais vous présenter la brosse à dents Colgate 360. C'est la brosse à dents que j'utilise. C'est aussi ma brosse à dents préférée depuis que je l'ai achetée. Je vais vous expliquer d'abord en quoi c'est la brosse à dents que je préfère utiliser. Alors, d'abord, elle s'appelle Colgate 360 degrés parce qu'on peut... Elle nettoie vraiment à 360 degrés dans la bouche. Je vais vous expliquer comment la brosse à dents, elle est faite. On peut voir ici, directement dans la brosse à dents, que les poils ont une couleur différente. Ici, les poils mauves, eux, ils vont déteindre. Ils vont déteindre une fois que la brosse à dents doit être changée. Il y a aussi à l'intérieur les petits caoutchoucs orange que eux nettoient vraiment, vraiment bien la dent, tandis que les poils mauves, eux, ils servent vraiment à aller dans les creux inaccessibles de la dent pour vraiment ôter tous les résidus. C'est vraiment, vraiment pratique. Aussi, on peut voir au dos, il y a une petite texture caoutchouteuse qui sert à nettoyer les joues et la langue. Alors, une fois qu'on l'utilise pour brosser les dents, ça nettoie vraiment tout. C'est pour ça que quand on utilise, après avoir utilisé celle-là, une brosse à dents normale, on se rend compte comment que celle-là, elle nettoie vraiment plus en profondeur, puis c'est vraiment une bonne brosse à dents. On sent plus frais de la bouche. Voilà. Il y a également aussi le petit caoutchouc ici, qui est très gélatineux. Permet une très bonne prise en main pour la brosse à dents, pour vraiment de la précision. Oui, oui. Oui. Ça, c'est important, la précision, quand tu brosses les dents. Oui. Pas où sont tes dents, tu ne vois pas. Non, on les voit, oui. Il faut que tu aies de la précision. Oui. Quand est-ce que les brosses à dents, ça a été inventé? Quand est-ce qu'ils ont su que des dents, ça se salissait? Ça, c'est vraiment une bonne question, parce que c'est vraiment surprenant, mais c'est 4000 ans avant Jésus-Christ que la première forme de brosse à dents a vraiment été... Pratiqué par les humains, oui. Parce que dans le fond, on n'avait pas la brosse à dents comme on l'utilise aujourd'hui. On utilisait plutôt des plumes, des brins d'herbe, des branches de bois trempées dans l'eau de rose, ramollies. Toutes des façons que chacun avait vraiment pour rafraîchir son haleine et nettoyer ses dents. Ah, bien c'est très bon. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré des milliers d'années. Cette méthode-là, parce que personne n'avait trouvé de façon encore. Alors, c'est vraiment dans les années 500. Que les Chinois, eux, ils ont inventé la première forme de brosse à dents. C'était une sorte de brosse à dents qui était conçue vraiment pour les personnes de haut niveau hiérarchique. Oui, parce que c'était pas tout le monde qui pouvait se permettre ça. C'était fait dans un métal vraiment précieux. Et les poils, c'était des poils de porc. Oui, des poils de porc. C'est on propre, avait... ça, des poils de porc? Ça sert à nettoyer la bouche, c'était ça le but. Enfin, c'est intéressant. Sauf que la difficulté avec ça, c'était que c'était vraiment un petit diamètre. C'était pas gros pour nettoyer toute sa bouche. Puis aussi que les poils de porc étaient très, très rigides. Nettoyaient comme pas vraiment, ça l'agressait et ça faisait saigner les gencives des gens. Ouh, ça, c'est pas le fun. Non. Ça doit vraiment pas être le fun. Non. Alors, Élie, c'est tout ce que le temps qu'on avait, dommage. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, pour cet épisode d'Atelier Vision. Dans le prochain épisode, on reçoit Mme Sarah-Ève Jacob, qui va nous parler de son chandail Under Armour. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci.
Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à votre émission La Télévision. Installez-vous bien, car aujourd'hui, nous recevons une invitée spéciale, Mademoiselle Sarah-Ève Jacob, qui va nous parler de son chandail Under Armour. Alors, bonjour, Sarah. Bonjour, Élise. Ça va bien? Ça va très bien, vous? Ça va bien. Alors, c'est quoi exactement un chandail Under Armour? En fait, Under Armour, c'est la compagnie qui fabrique ce type de chandail-là. OK. Puis, c'est un chandail qu'on a pris avec mon équipe de softball. On l'a fait faire pour compléter notre uniforme, qui était vert, comme l'écriture sur la manche, jaune et blanc. OK. Puis, on avait le choix entre des chandails, soit comme de la collection Heat Gear ou Cold Gear. OK. C'est quoi, c'est exactement Heat Gear puis Cold Gear? Heat Gear, c'est comme celui-là. OK. C'est un chandail qui est mince, puis que dans les conditions extrêmes, de chaleur, d'humidité, ça garde le corps au frais puis au sec. C'est comme si ça, si ça combattait le chaud. Puis wow. La différence avec le cold gear, c'est que le cold gear, c'est un chandail vraiment épais qui fait comme n'importe quel chandail, entre guillemets. Puis ça nous garde au chaud quand il fait froid. Puis on avait le choix entre les deux chandails. Oui. Puis, ce type-là était avec un col en V. Oui. Puis, le cold gear, c'était un turtleneck, un col roulé. Oui. Puis, ça, c'était à la discrétion de chaque joueuse. Là, c'est ce qu'on préférait. OK. Ouais. Est-ce que tu as eu l'occasion de le porter dans des conditions que c'était vraiment nécessaire d'avoir un chandail comme ça? Oui. En fait, il y a des fois qu'on est allé en tournoi puis que la température était incertaine. Comme il faisait froid le matin. Puis, au cours de la partie, le soleil sortait, donc il faisait vraiment chaud. Puis à ce moment-là, ben j'avais pas chaud. Je ressentais pas la chaleur. Puis sans être obligé comme de changer au complet entre les manches, puis tout ça. Donc ça a été vraiment pratique, particulièrement, on est allé au championnat canadien. OK. Au Nouveau-Brunswick cet été. Puis la température était vraiment pas belle. Il faisait chaud, il faisait froid après. Il ventait, il y avait du brouillard. Donc, ça a été vraiment utile, peu importe qu'on aille le chandail mince ou le chandail épais. Ça vous a aidé à gagner, j'imagine? Ben oui, toujours. Ça fait combien de temps que tu portes ça, toi, des chandails de cette collection-là? Celui-là en particulier, ça fait 2 ans, parce que ça fait 2 ans que je joue avec la même équipe. Mais sinon, j'en ai d'autres, un blanc puis un noir que je m'étais acheté, en fait, pour moi. Là. Est-ce que c'est tous des heat gear avec les manches longues ou? Oui, j'en ai un aussi que c'est la même technologie, le Heat Gear, excepté que c'est une manche courte, donc ça aurait été environ ici. Puis, mais c'est pas le même modèle exactement, parce qu'il y a plusieurs modèles. Comme celui-là, c'est ce qu'il appelle compression. Donc, le chandail a l'air vraiment étroit, mais il s'étire beaucoup. Puis ça moule le corps, dans le fond. Ouais. Puis il y en a d'autres qui sont plus lousses, si on veut. Puis moi, c'est un comme ça que j'avais, le T-shirt. OK. Bon, bien, c'est malheureusement déjà tout pour aujourd'hui. Alors, merci d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez passé une excellente soirée. Nous allons recevoir M. Brunel Kalala, qui va nous parler d'une invention qui s'appelle la calculatrice. Alors, restez des nôtres et on se revoit bientôt. Merci.
pas du tout. Viens ton bracelet. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle édition de l'Atelier Vision. Aujourd'hui, à l'émission, nous avons le bonheur de recevoir Brunel Kalala. Il nous présente et nous fera une démonstration d'un outil indispensable aux étudiants, soit la calculatrice. Donc, bonjour, Brunel. Bonjour, madame, ça va, Eve. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va très bien. Parfait. Donc, l'objet que vous avez apporté, qui est une calculatrice, qui en est l'inventeur? Bon, ça date de 1642. OK. Ça date de longtemps. Oui, hein? Donc, puis son inventeur vient et d'origine française. OK. Donc, son nom, c'était Pascal Blaise. OK. Puis, il a inventé la calculatrice à l'âge, bien, pas la calculatrice qu'on connaît maintenant, mais la calculatrice à l'âge de 19 ans. Wow, c'est vraiment jeune. Oui. OK. Puis, pourquoi est-ce qu'il a décidé d'inventer cet objet? Lui, c'était un inventeur, mm-hmm. philosophe, donc il aimait ça créer de nouvelles affaires pour aider la société. Okay. Donc, son père avait eu un nouveau boulot, puis il devait faire des calculs de finances, donc il voulait soulager le travail de son père, donc il s'est mis à créer une machine qui pouvait calculer, donc additionner, soustraire, puis multiplier. OK, ça a vraiment simplifié les calculs, puis... Oui, ça va évoluer, même aujourd'hui, on l'utilise. OK. Donc, puis, mais les premières machines, comment est-ce qu'ils se nommaient? Ah bon, ouais, la première machine que Pascal Blaise a créée s'est nommée l'arithmétique. L'arithmétique? L'arithmétique, bravo, c'est ça, exactement. Puis la deuxième, il a nommé la roue pascaline. OK. Ensuite, il a changé à pascaline. Donc, pascaline, c'était le nom du chancelier dans l'époque en France. Donc, il voulait rendre hommage à ce monsieur. OK. Donc, il s'est en quelque sorte inspiré des gens qui avaient beaucoup d'influence à ce moment-là. Pour. Exactement. Ah, c'est pas bête. Non, pas bête du tout. C'est un gars intelligent, lui. Puis, il existait différents types de calculatrices, j'imagine? Oui, oui. Principalement deux types? Oui, exactement. Merci pour aborder le sujet. Au tout début, il y avait la calculatrice mécanique. Okay. Donc, pas telle qu'on le voit aujourd'hui. La mécanique, elle était plus grosse. Elle était en métal. Elle pesait, on peut dire, une tonne. Donc, tu la plaçais là, puis tu ne la bougeais pas, puis tu entrais tes calculs physiquement. Okay, donc, voulant dire que tu bouges avec du métal, puis tu fais tes calculs. Donc, c'est une amélioration par rapport à ce qu'on avait, mais j'imagine qu'il y avait beaucoup à faire encore pour… Oui, c'est ça. Ensuite, avec l'évolution, nous sommes tombés à la calculatrice électronique. OK. C'est ce qu'on a maintenant, là. Présentement, c'est ce que j'ai dans mes mains. Puis, c'est plus… ça a été simplifié. Le mécanisme à l'intérieur est plus petit. Tu peux le mettre dans ta poche, tandis que l'autre, c'était placé, puis ça restait là. Donc, okay. C'est puis, ça, vraiment. Cette calculatrice-là, comment est-ce qu'elle fonctionne? Elle te permet d'additionner. Si vous pouvez voir le plus ici, additionner, diviser, soustraire et multiplier. Okay. Donc, si jamais vous voulez faire une multiplication 4 fois 4, ça vous donne... Attends, un instant. 4 fois 4, ça vous donne 16, comme vous pouvez voir. Donc, si jamais vous voulez faire un nouvel calcul, c'est comme dans la table de guillage, vous posez assez, c'est qui équivaut à reset sur la table de guillage, okay. Puis ça vous ramène au tout début, puis vous pouvez faire un nouvel calcul. OK, c'est vraiment très simple au fond. Oui, c'est très pratique. OK. Puis pour les étudiants, je pense principalement à ceux qui sont en sciences, ça simplifie beaucoup tous les calculs. Actuellement, il y a des calculatrices scientifiques. OK. Donc, on peut aborder ça une autre fois. Donc, malheureusement, c'était tout le temps dont nous avions pour cette émission. Nous espérons que vous avez grandement apprécié vos 5 dernières minutes en notre compagnie et que vous en avez appris beaucoup plus sur le magnifique objet qu'est la calculatrice. Nous vous invitons à rester des nôtres pour la prochaine émission qui mettra en vedette le canard en plastique d'Ariane Hamel. Donc, merci et à la prochaine.
C'est ça, par exemple. Bonjour et bienvenue à notre émission, la télévision. Aujourd'hui, je reçois avec moi une invitée très une chroniqueuse très formidable. Et son nom, c'est Ariane Hamel. Elle est venue aujourd'hui avec un objet très spécial qu'elle va nous faire part. Puis son objet, c'est un canard en plastique. Sans plus tarder, bonjour Ariane. Bonjour Brunel. Comment allez-vous, Ariane? Ça va bien, vous? Ça va superbe. Ariane, est-ce que les canards en plastique, comment ils sont-ils devenus populaires? Les canards en plastique ont été inventés vers la fin du 19e siècle, ouais, avec l'expansion du caoutchouc et du plastique. Okay. Et comment sont-ils devenus populaires? Ouais. Ça s'est d'abord fait connaître avec la série, l'émission « Un rue Sésame », dans laquelle une des marionnettes avait un canard en plastique et inventait des chansons en rapport avec son canard en plastique. Oh. Et par la suite, le journal The Sun a révélé en 2001 que la reine Élisabeth II avait un canard en plastique. Wow. Avec une petite couronne dessus. Puis suite à ça, la vente de canards en plastique a vraiment explosé. Puis c'est sûr, les ventes ont été populaires. OK, ouais. Mais à part les fonctions d'être un jouet, parce qu'on peut s'entendre que c'est un jouet. Oui. Mais c'est quoi? Est-ce qu'il a d'autres fonctions? On peut l'utiliser comme élément de collection, comme objet de collection. OK, OK. D'ailleurs, il y a une Américaine qui a plus de 2100 canards en plastique chez elle. Et pourquoi on peut s'en servir comme objet de collection? Parce qu'il y a vraiment toutes sortes de canards en plastique. Il y en a pour la Saint-Valentin, il y en a pour Noël, il y en a avec des lunettes de soleil. C'est vraiment très, très variable. Okay. Et aussi, on s'en sert dans des courses. Disiez dans les courses, donc quel genre de courses et est-ce qu'il y a ces courses, ça se retrouve au Canada aussi? Oui, d'ailleurs, il y en a une à Halifax qui est organisée chaque année par l'association Halifax Duck qui réunit plus de 10 000 canards. 10 000, c'est quand même quelque chose. Wow. Et, qui est utilisée pour financer, dans le fond, les recherches sur l'Alzheimer et la guérison pour l'Alzheimer. Savez-vous pourquoi l'Alzheimer? Pourquoi pas une autre maladie? Oh mon Dieu, ça je sais pas. OK. Non, c'est juste une question parce que je pense que ça m'intéressait. OK. À part les courses, y a-t-il un événement particulier relié au canard en plastique? Oui. En 1992, il y a un cargo qui était chargé de canard en plastique qui a déversé son contenu dans l'océan Pacifique, probablement suite à une collision avec un autre bateau. Wow. Et suite à ça, c'est grâce à ce déversement-là qu'il y a plus de 40 000 canards qui se sont retrouvés dans l'océan Pacifique et que le célèbre océanologue a pu étudier les mouvements de l'océan Pacifique, dans le fond. OK. Mais votre canard, vous l'avez acheté où, ça? Je ne l'ai pas acheté. Il était à ma meilleure amie. Il était chez elle. Puis, dans le fond, je ne sais pas trop comment c'est venu, mais on s'est mis comme à se lancer, à jouer avec. Puis rendu chez nous, j'ai découvert le canard dans ma sacoche. Wow. Puis maintenant, elle étudie loin d'ici. Puis quand on se voit, on s'échange des canards. C'est comme... Vous avez des canards? On a ce canard-ci, puis quand on se voit, on se l'échange. Donc, en ce moment, c'est moi qui l'ai. Puis la prochaine fois, c'est elle qui va l'avoir. Ça fait combien de temps que tu l'as, ce canard? Depuis le cégep à Montréal, donc ça fait environ 2 ans que je l'ai. Ouais. Mais merci beaucoup, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Ça a été un grand plaisir de recevoir avec moi une chamade madame qui nous a parlé de son objet qui est un canard en plastique. Je vous remercie vraiment, puis je vous remercie vous, nos téléspectateurs qui ont été les nôtres. Et je vous dis à la prochaine, nous recevons avec nous ici en studio Vincent Allard qui va nous parler de caméra canine. Merci. Je vais te demander si tu es ici comme joueur. Non.
Bonjour et bienvenue à l'émission L'Atelier Vision. Je suis Ariane Hamel, votre animatrice, et aujourd'hui nous recevons un chroniqueur bien spécial qui va nous parler et nous présenter sa caméra Canon EOS 7D. Donc bonjour Vincent. Bonjour Ariane, ça va bien? Ça va bien, vous? Oui. Aujourd'hui, ma chronique va porter sur le Canon EOS 7D. Mm-hmm. Je vais parler de cet appareil photo-là qui est capable de faire des vidéos. En fait, c'est surtout pour ça qu'elle s'est faite connaître. Ma chronique va faire un survol de l'appareil photo. Mm-hmm. Ensuite, je vais parler un peu des impacts que cette caméra-là a eu sur la production indépendante, puis mm-hmm. aussi les pour et contre de cet appareil photo-là. OK. Ouais. Donc, faites-nous un survol de votre objet. OK. Bien, comme survol, on parle d'un appareil photo qui est sorti à environ 2 000 $. Puis, l'appareil le plus proche, avant ça, c'était le 5D Mark II qui coûtait 5 000 $, qui coûtait à peu près 3 000 $. OK. Puis, cet appareil-là, ça te permet de faire des vidéos 1080p, 24 images secondes, 30 images secondes en 1080. Wow, OK. Fait que c'est quand même intéressant là, que ça n'utilise pas de downpull. Puis, cet appareil-là, c'est vraiment un ingrédient essentiel pour. Peut-être pas essentiel, mais très important pour quelqu'un qui voudrait faire des productions cinématographiques à faible budget. Mm-hmm. Parce que ça coûte pas cher, puis tu es capable d'avoir comme assez une image qui est quand même pas pire là, avec les lentilles que tu peux acheter. Lentilles interchangeables, puis ça te permet une sensibilité assez intéressante. Ouais. Puis aussi le depth of field qui est très réduit. Là. Des fois, c'est rendu cliché, on dirait, maintenant. Là. Puis c'est ça. Grosso modo, là, le survol, c'est vraiment une caméra qui s'est démarqué par le mode vidéo plus que par le mode photo. Okay. Même si le mode photo, c'est quand même bon. Là, on parle 8 images secondes, 18 mégapixels, c'est ça. OK. Et pour les gens à la maison, qu'est-ce qui fait que cet appareil se démarque autant? Oui, mais cet appareil se démarque surtout, comme je disais, pour les vidéos 1080p. Pour une caméra vidéo qui peut faire du 1080p comme dans une qualité que de l'allure, là, c'est vraiment plus cher. Qu'est-ce qui se démarque aussi? Bien, tu peux faire des photos mm-hmm. avec un mode automatique si c'est qu'est-ce qui vous intéresse. Okay. Puis, même en mode automatique, ça fait des bonnes photos. Là. J'ai essayé pour notre chronique, puis c'était satisfaisant. Oui? Oui, oui, oui. OK. Et si je comprends bien, cette caméra se démarque surtout par sa capacité à recréer une certaine esthétique. Oui, oui, j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais c'est ça. C'est surtout le film look là, que les gens vont achever en ayant cette caméra-là. Là. 24 images secondes aussi, tu peux faire avec les lentilles, puis la haute sensibilité à la lumière. Ouais. Tu peux achever quelque chose de quand même bien. Là. Puis je vais revenir un petit peu plus tard dans ma chronique, dans les pour et contre, là, sur des sujets. Ouais. Oui, donc son impact maintenant, c'est quoi son impact? L'impact, bien, c'est comme je disais, pour le prix, là, environ 2 000 $. Avant ça, mettons qu'on compare ça à une caméra qui était utilisée dans le milieu avant, mm-hmm. Peut-être une HVX 200 avec un adapteur Lettus pour pouvoir mettre des lentilles photo. Mm-hmm. Ça avait un prix d'environ 8 000 $. Wow, OK. Déjà là, c'est 6 000 $ de moins cher. Ouais, c'est... c'est sûr qu'il y a toujours les lentilles, mais les lentilles, tu dois les acheter quand même avec un kit comme le Lettus. Donc, ouais, c'est un très bon prix, là, dans ouais, le fond. C'est sûr que c'est un des gros impacts que ça a eu. Là. Je veux dire, même moi puis toi, on est capable d'acheter ça. Là, c'est pas comme 8 000 $. Là. Ouais. Puis, ça a eu beaucoup d'impact aussi là, au niveau des milieux indépendants. Les gens se sont mis à fabriquer des petites grues, là, comme des cranes, mais c'était beaucoup moins lourd, là, puis, vu que la caméra pèse okay. rien. OK. Ouais. Bon, ben merci Vincent. Oh, désolée, merci. C'est déjà tout. Ouais. Donc, merci Vincent d'avoir été avec nous. Merci, chers téléspectateurs, pour votre écoute. Lors de la prochaine émission, nous recevons Xavier Gauvin, qui va nous parler de son ballon de soccer. Donc, merci et bonne soirée.
Bonjour et bienvenue à l'émission L'Atelier Vision, édition du 30 novembre 2011. Aujourd'hui, nous recevrons Xavier Gauvin, qui nous parlera de l'évolution du ballon soccer, un sujet qui risque d'en surprendre plus d'un. Bonjour Xavier. Comment ça a commencé le ballon soccer? Ça a commencé aussi loin que le temps des Égyptiens. Fait que, autrement dit, avant Jésus-Christ, quelques centaines d'années avant Jésus-Christ. Okay. En Chine aussi. Puis en Amérique du Sud, il y a certaines tribus mayas qui s'inventaient, si on veut, des ballons. Les ballons, à l'époque, étaient faits en vessie de porc, vessie de bœuf ou vessie d'animaux morts, qu'on lavait évidemment, puis qu'on bourrait par la suite de cheveux, de rips de bois, de n'importe quoi qui pouvait nous tomber sur la main, des cheveux, n'importe quoi qui pouvait remplir quelque chose, la vessie comme telle, qu'on pouvait refermer, puis que ça créait un ballon pas trop pesant, autrement dit. C'est à partir de quand, mettons, que le vrai ballon de soccer comme on connaît prend forme? Vers la fin du Moyen Âge, au 15e, 16e siècle, ils ont commencé à faire évoluer un petit peu le ballon, là. Mais en fait, évoluer. C'est vite dit, mais ce que je veux dire, c'est qu'à cette époque-là, ils ont commencé à organiser des parties. Le ballon était finalement assez semblable à ce qu'il y avait plusieurs centaines d'années auparavant, mais les parties ont commencé à s'organiser là, un peu plus en équipe. C'était pas un groupe de monde là, qui frappait le ballon un peu partout. Ouais. Puis ça s'appelait la choule, jouer à la choule. OK. Puis comment ils ont réglé ce problème de poids-là? Tu sais, ça devait être lourd là, quand même. C'est ça. Ça, c'était un gros problème à l'époque. Le problème, c'est que quand ils mouillaient, ils voulaient jouer quand même, les gens, ils mouillaient, mais la vessie, elle absorbait, puis le ballon venait de plus en plus pesant. Idéalement, un ballon comme celui-ci, comme qu'on joue en ce moment, c'est plus ou moins 4 livres, une trentaine de centimètres en diamètre. Mais à l'époque, ils jouaient à l'extérieur, puis les ballons n'étaient pas très imperméables. Fait que l'eau à rentrer dans le ballon, ça venait de plus en plus pesant. Donc, ce qu'ils ont décidé de faire, vers les années 1850-60, il y a des compagnies qui se sont spécialisées. À cette époque-là, les compagnies, ce qu'ils ont fait, ils ont commencé à créer du caoutchouc synthétique. Okay. Pour créer… C'est un petit peu à ce moment-là que les grandes compagnies ont commencé à s'intéresser au ballon, si on veut. Un petit peu plus tard. C'est pas longtemps encore, okay. Après. C'est une compagnie britannique qui a commencé ce concept-là. C'était la boule en caoutchouc qui remplaçait la vessie de porc, puis il entourait ça d'un gros cuir brun, d'animaux, encore une fois. Puis il attachait ça avec un lacet, un peu comme un ballon de football, mais arrondi. Puis, mais est-ce que les ballons se font nommer ou quelque chose? Oui. Oui, c'est ça. Adidas, qui est devenu ultimement la compagnie la plus connue. Oui. Adidas a été engagé par la FIFA, la Fédération internationale de football association. Dans le fond, c'est eux qui régissent les règles du soccer partout dans le monde. Puis Adidas a été choisi la compagnie qui allait créer les ballons pour toutes les Coupes du monde. Donc, à chaque année qu'il y a une Coupe du monde, aux 4 ans, autrement dit, Adidas crée un nouveau ballon. Puis chaque ballon est nommé selon un nom quelconque. Okay. Donc, pour la Coupe du monde dans les années 70, les premières Coupes du monde à laquelle Adidas a participé, le ballon s'appelait Telstar. Telstar qui était relié au premier satellite. Mais c'est ça. Ça va être tout pour nous aujourd'hui. C'était l'émission du 30 novembre 2011. J'espère qu'on va se revoir la saison prochaine. C'était notre dernière émission de la saison avec mon chroniqueur Xavier Gauvin.